entre 2016 et 2021 aujourd'hui, puisque nous sommes début 2021, quelle a été l'évolution de la fondation ou par rapport au constat de départ, où en est le sport féminin aujourd'hui en 2021? Il en est, ça bouge petit à petit. Enfin, le sport n'est pas en dehors de la société. Donc, la place de la femme dans la société commence aussi par le sport. Donc, on est tout à fait au même niveau. Ça bouge pas assez vite, sinon on serait pas là. Sinon, on n'aurait pas créé la fondation. Une fondation, l'objectif, c'est qu'un jour, ce soit plus une cause. Donc, tant que le sport féminin est une cause, notre objectif, c'est d'un jour de disparaître, hein, pour être tout à fait honnête, que ce soit plus une cause. L'évolution se fait petit à petit. On le voit bien, par exemple, il y a 5 ans, il y a 6 ans maintenant, personne ne connaissait Alice Mia. Dans 10 jours, il y a une statue au comité olympique qui va être inaugurée à côté de celle de Coubertin. C'est un travail de 5 ans. Donc ça, c'est en termes de reconnaissance de son histoire, de qui elle est, c'est le mouvement sportif la reconnaît. On a fait un gros travail pour ça. Après, au quotidien, on le voit tous les jours, hein, c'est compliqué. Le handball est un sport encore privilégié, il y a beaucoup d'investissements, il y a une fédération qui est très, très active sur le sport féminin, mais ce n'est pas le cas partout. Donc il y a encore plein de travail. Aurélien, pour l'ATH, quel est l'intérêt de l'ATH aujourd'hui d'être labellisé par la fondation Alice Mia? Je crois que c'est tout d'abord une reconnaissance du travail qui est fait par le club de l'ATH depuis quelques années sur la promotion du sport au féminin, auprès des jeunes filles, auprès des enfants, mais aussi sur la promotion médiatique du sport de performance et de l'équipe première et des équipes espoirs qui évoluent en deuxième division et en N1 via le digital, via la relation à la presse, via la relation avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a envie de continuer à mettre en avant le sport féminin et le handball au féminin. Et donc, à partir de là, on trouve une certaine fierté d'être connu par une fondation qui travaille sur cette ligne-là. Éric Florent, pour Alice Mia, quelle est l'importance d'avoir aujourd'hui comme vecteur de communication, comme vecteur aussi, comme soutien, les clubs de handball comme l'ATH? Un des objets de la fondation, ce n'est pas d'avoir la science infuse, mais c'est au contraire de rassembler des idées, des projets qui sont incroyables partout en France, sur tous les sports. Et l'idée, c'est comment on arrive à les aider pour qu'ils puissent avoir les moyens économiques. Donc le côté fondation est important. Le côté mise en réseau aussi avec d'autres sports, d'autres fédérations, parce qu'on n'aide pas que des projets sportifs, on aide des documentaires, on aide des pièces de théâtre. Donc pour parler autour du sport féminin, on va mettre à disposition des supports d'exposition pour nous labelliser. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un mouvement et que les bonnes idées, on n'est pas les seuls à les avoir, on en a une, mais c'est surtout celle de rassembler et de partager. Voilà. Très bien. Aurélien, donc on a parlé de projets. Quels ont été les projets que l'ATH a mis en place pour obtenir ce label de la Fondation Alice Mia? On a soumis à la Fondation deux projets. Le premier est un projet qu'on a appelé l'Escape Game des représentations sexistes dans le monde du sport, qu'on a monté avec un partenaire du club qui est un Escape Game qui s'appelle Les Secrets du Sablier. Et c'est un Escape Game qu'on souhaite présenter aux lycéens et aux CFA dans le cadre d'une opération qui s'appelle le Mois de l'Hôte, qui est soutenue par la région Grand Est. Et on souhaite aller directement dans les établissements scolaires ou dans les centres de formation d'apprentis pour lutter un petit peu contre ces stéréotypes de genre dans le monde sportif et pour donner matière à réfléchir aux élèves de lycée et aux étudiants en CFA. Le deuxième projet, oui, s'appelle Cité-moi en handball féminin. C'est la réunion de deux clubs de handball strasbourgeois ou alsacien, dans l'idée de pouvoir aller proposer dans les quartiers prioritaires de la ville un créneau réservé à la pratique féminine du handball pour les jeunes filles entre 10 et 17 ans, mais plutôt en ce moment entre 13 et 15 ans, pour qu'elles puissent pratiquer en toute sécurité, en toute liberté, dans un contexte qui leur est ultra favorable, le handball, et qu'elles puissent trouver un moment d'expression sportif.
On a bien compris la volonté de l'ATH d'être reconnue comme un véritable acteur social et éducatif dans son territoire, au-delà de son engagement sportif et compétitif, également cet engagement sur les questions sociétales. Pourquoi, enfin, et ce sera la dernière question que je vais vous poser, de choisir symboliquement la Maison du Handball pour la signature de cette convention projet entre la Fondation Milliard et l'ATH? Moi, je n'ai pas choisi, donc c'est vous qui avez choisi. Mais je trouve que l'idée est superbe, parce que c'est la Maison du Handball, c'est un club de handball, je suis aussi handballeur, ça c'est l'anecdote. C'est à mi-chemin entre... Vous êtes venu pas loin de chez nous, donc vous pouvez faire quelques kilomètres pour venir jusqu'à chez vous. Mais c'est hautement symbolique parce que je pense que le handball est vraiment une. La Fédé Handball est une fédération qui œuvre pour la médiatisation du sport féminin et pour le sport féminin avec sa vice-présidente Béatrice Barbus. Donc c'est tout un symbole parce que Béatrice Barbus a aussi œuvré pour que la statue soit inaugurée au Comité Olympique dans quelques jours. Donc c'est un bon clin d'œil au destin. Voilà. Aurélien, un mot. Tout est dit, en plus d'avoir une fédération qui tend à être la plus paritaire possible, je crois que la TH montre qu'on a envie de jouer sur ces terrains-là, mais pas uniquement sur notre territoire, et que c'est sûrement une cause qui est plus grande que notre territoire géographique d'Arlanin et Métruche-sur-Seille, et qu'on a envie de s'engager pleinement dans cette recherche d'égalité de traitement dans le sport masculin et dans le sport féminin. Éric Florent, Aurélien Durafour, on vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et puis donc longue vie à cette convention projet, oui. Fondation Milliard, ATH Handball. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.